Marcel, c'est la première participation pour Café Oli, pour Passion Racing Club. Qu'est-ce que vous attendez de sa performance? Écoutez, à en croire l'entraîneur, il devrait lutter pour la victoire, mais bon, on en parlera plutôt après. Ce que j'attends, c'est faire plaisir à tous mes associés de Passion Racing Club et que le cheval prenne une bonne course et prenne une bonne allocation, j'espère, et pourquoi pas la victoire, parce que premier partant, premier gagnant, ce serait top. Ça finit, on n'a pas encore fait le boulot, enfin on n'a pas eu assez de temps pour faire donc accroche le wagon. Voilà, je ne laisse pas prendre mon départ, on garde la place qu'on a. S'il vient être dans les trois premiers, c'est... Si on est dans les trois premiers, je serais content. Hein. Et si on gagne, évidemment, je suis capable de marcher sur les mains. Hein. Donc c'est peut-être le début d'une belle histoire, finalement. Absolument, absolument. J'espère en tout cas que... Il y aura même d'autres passionnés qui viendront rejoindre le club. David, Café Oli a fourni une belle performance aujourd'hui. Oui, il n'a pas très bien sauté le début de parcours, ce qui empêche le gamin de pouvoir garder sa place. Du coup, il a donné une bonne chance à la ligne d'en face. Et il est revenu finir dans une bonne action, il court très bien. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a encore des petits réglages dans ses sauts à faire, et surtout dans son comportement, je crois qu'il est un petit peu anxieux, mais qui devrait évoluer dans le bon sens. C'est une belle acquisition, ces nouveaux propriétaires. Pour l'instant, elle n'est pas encore bonne, j'espère qu'elle le deviendra.